Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, donc on va faire le chapitre sur les déterminants. Le long de ce chapitre-là, donc la lettre K qui apparaît ici, ça va désigner soit l'ensemble R muni de l'addition, de la multiplication qu'on connaît, les opérations usuelles, ou l'ensemble C des complexes, mais aussi de l'addition et de la multiplication qui sont usuelles, qui sont connues. Donc, soit N appartenant à N étoile, un entier, et A une matrice carrée d'ordre N, dont les coefficients sont les A et J, avec I variant entre 1 et N, J variant aussi entre 1 et N, appartenant à Mn de K. Donc, on va définir le déterminant d'une matrice d'ordre N. Et cette définition-là, on va la faire par récurrence. Donc, pour les étudiants de SMPC, on ne va pas utiliser la définition d'origine, la définition mathématique rigoureuse, mais on va faire une définition par récurrence qui va être utile et qui va être technique, donc pour calculer un déterminant et connaître donc ses propriétés. Donc on va faire une récurrence par n sur n pour définir le déterminant de A. Donc le déterminant de A, donc la matrice A, on le note par dette de A, ou on l'écrit sous cette forme-là, avec des barres, de grandes barres, et à l'intérieur on écrit les lignes de A. Ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant de A. Comment on le définit? Donc lorsque la matrice est d'ordre n égale à 1, c'est-à-dire qu'il contient un seul coefficient, la matrice A, il contient le seul coefficient A1, donc le déterminant de ce coefficient-là, de cette matrice uniligne et unicolonne, c'est tout simplement le coefficient A1, A, indice 1, 1. Pour une matrice d'ordre 2, avec n égal à 2, donc le déterminant de A, il est noté comme ça, donc là on a deux barres, et à l'intérieur on a le coefficient de la matrice A. Donc ce déterminant-là, par définition, donc c'est égal à ce coefficient-là fois celui-là moins ce coefficient fois celui-là. C'est-à-dire A1, 1 qui multiplie A2, 2 moins A1, 2 qui multiplie A2, 1 pour un déterminant d'ordre 2. Donc on va définir un déterminant d'ordre n pour n quelconque. Donc en général, le déterminant de la matrice A, donc on est noté de cette façon-là, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 que multiplié A indice 1, 1 que multiplié delta 1, 1. Donc le delta 1, 1, c'est le déterminant d'ordre n moins 1 qu'on obtient lorsqu'on enlève cette ligne et cette colonne. Donc c'est le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la première colonne. Ensuite, plus moins a puissance 1 plus 2, là a indice 1, 2, et là delta indice 1, 2. Delta indice 1, 2, c'est le déterminant qu'on obtient lorsqu'on enlève la première ligne et la deuxième colonne. Donc il reste cette colonne-là et les autres colonnes qui sont ici. Ça va donner un déterminant d'ordre n moins 1. Jusqu'au dernier, la plus, on continue jusqu'à moins 1 à la puissance 1, 1 plus n, 1 plus n, le a indice 1n, c'est-à-dire le coefficient qui est là. Donc là, on prend tous les coefficients de la première ligne, que multiplie delta 1n. Delta 1n, c'est le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la n-ième colonne. Donc il reste ce déterminant-là qui est d'ordre n moins 1. Donc le déterminant d'une matrice d'ordre n, il est donné en fonction de déterminant d'ordre n moins 1. Delta 1, 1, delta 1, 2, jusqu'à delta 1, n. Et ensuite, pour calculer delta 1, 1, qui est d'ordre n moins 1, on l'écrit en utilisant cette formule-là,
On l'écrit en fonction de déterminant d'ordre n moins 2. Et on descend jusqu'à avoir déterminant d'ordre 2. Donc chaque déterminant delta ij, c'est le déterminant d'ordre n moins 1 qu'on obtient à partir de la matrice A. Lorsqu'on lui enlève la im ligne et la jm colonne, ce déterminant d'ordre n-1 delta ij, il s'appelle le mineur relatif au coefficient aij. Par exemple, si on prend cette matrice-là, la matrice A, c'est une matrice qui est d'ordre 4, donc on a donc 4 lignes et 4 colonnes, c'est une matrice carré d'ordre 4. Donc son déterminant de A, on l'écrit comme ça, avec des barres au lieu de parenthèses. Les matrices, on utilise des parenthèses. Pour les déterminants, on utilise ici des barres verticales. Donc par définition, donc ça va faire, on commence par moins 1 à la puissance 1 plus 1, que multiplie le coefficient A11, c'est ce coefficient-là. Ça, c'est le coefficient A11, c'est 5. Donc là, c'est A11, que multiplie le déterminant qu'on obtient. Lorsqu'on est là, donc on enlève cette ligne et on enlève cette colonne. Donc il reste ce déterminant-là. 7, 9, 0, 1, 2, 3, 0, 8, 7. Il est là. Ça, c'est delta 1, 1. Plus, on continue là, c'est moins 1, 1 plus 2. On est parti de 1 plus 1, là, à 1 plus 2, que multiplie le coefficient A indice 1, 2. C'est-à-dire le coefficient de la première ligne et la deuxième colonne, c'est-à-dire moins 2, le moins 2 qui est là. Donc, on écrit moins 2 ici, que multiplie. Le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la deuxième colonne. Donc, si on enlève la première ligne et la deuxième colonne, donc il reste ce déterminant. Donc, il reste le déterminant dans les coefficients. La première colonne, donc c'est 3 moins 1. Donc c'est 3. Donc 3 moins 1, 6, 9, 2, 8, 0, 3, 7. C'est-à-dire ce déterminant. Plus moins 1 à la puissance 1 plus 3, le coefficient A indice 1, 3, c'est 0. Que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la troisième colonne. On obtient ça. Ensuite, plus, moins A puissance 1 plus 4. A indice 1, 4, c'est le coefficient de la première ligne, la quatrième colonne, c'est 1. Que multiplie le déterminant qu'on obtient lorsqu'on enlève la première ligne et la quatrième colonne. Lorsqu'on enlève la première ligne et la quatrième colonne. Donc, il reste ce déterminant-là. Donc, 3, 7, 9. Moins 1, 1, 2, 6, 0, 8. Donc, un déterminant d'ordre 4, son calcul est réduit au calcul de 4 déterminants d'ordre 3. Ensuite, pour calculer ce premier déterminant, on va utiliser la même formule. Donc, ce déterminant-là, c'est delta 1, 1. Le mineur du coefficient A, 1, 1, donc, il est égal à ça. Donc, pour le calcul, on utilise la même formule. Donc toujours, on va commencer par moins 1 puissance 1 plus 1. Le coefficient A11 ici, c'est 7. Que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève cette ligne et cette colonne. Il reste ce déterminant. Donc c'est 2, 8, 3, 7. Plus le suivant, donc c'est moins 1 puissance 1 plus 2. Que multiplie 9. Que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la deuxième colonne. Donc il reste ce déterminant d'ordre 2, c'est le déterminant 1, 0, 1, 0, 3, 7. Plus moins 1 à la puissance 1 plus 3, que multiplie le coefficient 0, que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne, la troisième colonne. Il reste 1, 2, 0, 8. Et là, le delta 1, 1, qui est un déterminant d'ordre 3, donc son calcul est réduit à des déterminants d'ordre 2. Donc, ils sont égaux tout simplement. Là, on va avoir moins 1 puissance 2. Donc, c'est 1 fois 7, que multiplie 2 fois 7, moins 8 fois 3. Donc, on fait le calcul. Là, on va avoir moins 1 au cube. Donc, c'est moins 1 fois 9. Donc, c'est moins 9,
qui multiplie ce déterminant-là, qui est égal à 1 fois 7 moins 3 fois 0. Donc on obtient plus. Là, on a 1, 0. Là, moins la puissance 4, c'est 1. Donc on a 0 qui multiplie ce déterminant-là. Donc 1 fois 8 moins 2 fois 0. Donc là, c'est 1, 0. Là, fait les calculs, on va obtenir moins 133. Donc ça, c'est pour delta 1, 1. On fait la même chose, on répète la même chose pour delta 1, 2, qui va être égal à ce déterminant-là, qui est égal à 195, et le déterminant delta 1, 3, qui est égal à 196. Et on remplace dans la formule précédente pour avoir, et là c'est le déterminant delta 1, 4, et on remplace donc dans la formule qu'on a avant, pour cette formule-là, on remplace ici, on a calculé ces 4 déterminants d'ordre 3, pour avoir finalement le déterminant de la matrice A, qui va être égal à tout ça, et en fin de compte, on va avoir ce résultat. Ensuite, un deuxième exemple, si on prend la matrice IN, la matrice identité, donc c'est une matrice qui a des zéros partout, sauf sur la diagonale, on a des 1. Donc le déterminant d'IN, on l'écrit comme ça, avec deux barres verticales à l'intérieur, donc les coefficients de la matrice IN. Ce déterminant est égal. Donc si on utilise la formule précédente, donc on va commencer par moins 1 à la puissance 1 plus 1, qui multiplie A11. Donc le A11, c'est ce coefficient-là. Ça, c'est le coefficient A11 de la première ligne et de la première colonne. Ensuite, que multiplie le déterminant qui reste? Lorsqu'on enlève la première ligne, on enlève la première ligne et on enlève la première colonne. Donc, il reste ce déterminant-là. Donc, qui est comme IN, mais là, on a seulement N-1 ligne et N-1 colonne. On a enlevé une ligne et une colonne. Donc c'est un déterminant d'ordre n moins 1. Ensuite, là normalement c'est plus moins 1 à la puissance 1 plus 2 que multiplie le coefficient A indice 1, 2, c'est-à-dire ce coefficient là qui est 1, 0, donc que multiplie 0 que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la première colonne. Mais on s'en fout, là, puisqu'on a 0, donc ça va donner 1, 0. Le reste, là, on a tous des 0, donc le reste, ça va faire des 0. Donc il reste uniquement cette quantité-là. Et donc c'est égal, ça c'est 1 plus 1, ça c'est 1 plus 1. Donc là, il reste ce déterminant-là qui, en fait, c'est le déterminant. C'est égal au déterminant de la matrice IN-1. La matrice identité d'ordre N-1. C'est-à-dire qu'il y a uniquement N-1 ligne, N-1 colonne. Donc, le déterminant de IN, c'est la même chose que le déterminant de IN-1. Ensuite, le déterminant de n-1, il va être égal au déterminant de in-2. Et on descend comme ça. Donc petit à petit, on peut faire une récurrence. On va arriver au déterminant de i2. Le déterminant de i2, c'est le déterminant de la matrice d'identité d'ordre 2. Donc là, on a des 1 sur la diagonale, des 0 ailleurs, et d'ordre 2. Et ça, tout de suite, c'est 1 fois 1. 1 fois 1, moins 0 fois 0, qui est égal donc à 1. Ainsi, le déterminant de la matrice IN est égal à 1, quel que soit N. Le déterminant de la matrice identité est égal à 1. Un troisième exemple, la matrice, si on prend la matrice de la matrice, le déterminant de la matrice nulle, ça c'est un grand 0, c'est la matrice nulle de l'espace des matrices carrées d'ordre N. Donc là, on a N lignes et N colonnes qui sont tous, qui contiennent des 0. Donc son déterminant est écrit comme ça. Donc là, lorsqu'on va développer par rapport, en utilisant la formule de la définition, là on a tous les a, i, j sont des zéros.
Donc là, on va avoir une somme de 0, donc c'est égal tout simplement à 0. Donc le déterminant de la matrice d'identité est nul. Ensuite, on passe à la définition suivante. Donc soit E, un espace vectoriel sur K, de dimension n. Donc soit B, une base de E. Donc B contient n vecteurs qui constituent une base de E. On va prendre n vecteurs de E, V1, V2 jusqu'à Vn. On appelle déterminant de la famille V1, V2 jusqu'à Vn par rapport à la base B, et on le note comme ça, déterminant de la famille des VI par rapport à la base B, c'est le déterminant de la matrice dont les colonnes sont formées par les coordonnées des VI dans la base B. Donc, on a par exemple V1, il va s'écrire dans la base B un coefficient fois E1 plus un autre fois E2 plus on va jusqu'à EM. Donc V1 va avoir ici un coefficient qu'on peut appeler un A, un 10 quelque chose. Donc là, puisque les coordonnées de V1, on va les mettre donc sous forme de colonne. Donc là, on va mettre ici un 1, un coefficient qu'on va appeler A1, 1. Là, un coefficient qu'on va appeler A, et là on va mettre 2 au début et 1 en deuxième position, parce que là 1, 1, 1, ça va être la première colonne. On va jusqu'à A N 1. Là le premier coefficient, le premier indice, c'est parce que là on a le coefficient qui multiplie E1. Là, que multiplie E2, ça va changer, varier avec les EI. Et là, le deuxième indice, ça indique que ces coefficients-là sont les coefficients de V1. La même chose pour V2. On va écrire ces coordonnées dans la base B. Donc là, on va écrire c'est A1. Et là, c'est 2, deuxième colonne, plus A2, et là, le deuxième indice est relatif à V2, E2, plus, on va continuer ainsi, on va jusqu'à AN2, EN, et on va jusqu'au dernier, donc on va avoir Vn qui va s'écrire A1N E1 plus ANN EN. Donc chaque VI, il a des coordonnées dans la base B. Ensuite, les A et G, ils vont former une matrice. Donc la première colonne de cette matrice-là, on va écrire les coordonnées de V1. Dans la deuxième colonne, les coordonnées de V2. Jusqu'à la énième colonne, on va écrire les coordonnées de Vn. Donc ça va être une matrice d'ordre n. Donc ça va être une matrice carrée. Donc son déterminant, par définition, c'est ce qu'on appelle le déterminant de la famille V1 jusqu'à Vn par rapport à la base B. Un petit exemple, donc on a, si on prend E, c'est l'espace R3, des triplés, muni de cette base-là, B contient les vecteurs E1, E2, E3. Et si on prend V1 égale à ce triplé-là, V2 et V3. Donc, il est facile de voir d'abord que B est bien une base de E, puisque la famille E1, E2, E3 est une famille libre. Donc si on fait alpha E1, par exemple, plus bêta E2, plus gamma E3 égale
le vecteur 0 de R3. Ça, c'est équivalent à écrire que, on va voir ici alpha plus bêta plus gamma égale 0. Et là, on va voir 0 plus bêta plus gamma égale 0. Et là, on va voir 0 plus 0 plus gamma fois 1 égale 0. C'est-à-dire gamma égale tout de suite 0. On revient à bêta. Là, on va voir 0, bêta plus gamma qui est égal à 0 égale 0. Donc, bêta égale 0. Et on trouve donc facilement que ça, c'est équivalent à écrire que alpha, ça donne alpha égale bêta égale gamma égale 0. Donc cette famille-là est une famille libre. Son cardinal, c'est 3, on a 3 vecteurs, dont R3 qui est de dimension 3, donc automatiquement B est une base de R3. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si on prend les vecteurs V1, V2, V3, donc c'est une famille qui contient 3 vecteurs, on calcule les coordonnées de V1 dans cette base-là, c'est-à-dire on écrit V1 égale à alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3. Et on écrit que ça c'est égal à, au triplé 2, 1, 1. Et on calcule les coefficients par un système alpha, bêta, gamma. Ou bien on remarque ici tout de suite, si on fait E1 plus E3, E1 plus E3, on va voir 2. Et là, il reste 1 plus 0, 1 plus 0. C'est-à-dire on retrouve ça. Donc E1 plus E3 est automatiquement égal à V1. Si on fait E1 plus E2 plus E3, si on fait la somme ici, on va voir ce triplé-là, c'est-à-dire on va avoir V2. Si on fait E3 moins E2, donc là, 1 moins 1, c'est 0, 1 moins 1, c'est 0, et 1 moins 0, c'est 1. Donc on trouve V3. Donc tout de suite, les coordonnées donc de V1 dans la base B, c'est 1, 0, 1. Les coordonnées de V2 dans la base B, c'est 1, 1, 1. Et les coordonnées de V3 dans la base B, le coefficient de 1, c'est 0. Le coefficient de E2, c'est moins 1. Le coefficient de E3, c'est 1. Donc le déterminant de cette famille-là, par rapport à la base B, c'est ce déterminant-là. Donc là, c'est la colonne des coordonnées de V1. Là, c'est la colonne des coordonnées de V2. Et là, c'est la colonne des coordonnées de V3. Ce déterminant-là, on l'a déjà calculé, donc on a trouvé 1. Donc le déterminant de la famille V1, V2, V3 par rapport à la base B, relativement à la base B, ça donne 1. Ensuite, on a donc défini pour une matrice A d'ordre n le déterminant par cette formule-là. Dans cette formule-là, on voit ici apparaître les coefficients de la première ligne, A11, A12, jusqu'à A1n. Ce sont les coefficients de la première ligne. Mais, d'après, ça, on dit que ça, c'est le développement du déterminant de A par rapport à la première ligne. Mais on montre que l'on peut développer par rapport à la ième ligne. Ici, de travailler toujours avec, au lieu de travailler avec 1 ici, on a toujours ici 1, ici 1. Là, c'est toujours 1, 1, A1. 1, A1, 2 jusqu'à A1n. Au lieu de travailler avec les coefficients de la première ligne, on peut travailler avec les coefficients de n'importe quelle ligne d'ordre d'indice I. C'est-à-dire que le déterminant de A est aussi égal à moins 1 à la puissance i plus 1, à i1, delta i1. Moins 1 à la puissance i plus 2, à i2, delta i2. Plus, jusqu'au dernier, c'est moins 1 à la puissance i plus n, à in, delta in. Donc là, on voit ici les coefficients de la ligne d'indice i. Ce sont les coefficients de la ligne d'indice I. Là, c'est toujours moins à la puissance la somme des indices qui sont ici, que multiplier delta I1. Et ce déterminant-là, c'est toujours le déterminant qu'on obtient lorsqu'on enlève la ième ligne et la J1 et la première colonne. Donc là, on enlève la ième ligne et la deuxième colonne. Et ainsi de suite. Donc, développer un déterminant par rapport à la première ligne, c'est la même chose que de développer ce déterminant
par rapport à une autre ligne, n'importe quelle autre ligne. Par exemple, ce terminal-là, si on développe par rapport à la troisième ligne, si on développe par rapport à la troisième ligne, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire donc moins 1 à la puissance 3 plus 1, puisque c'est la troisième ligne. On commence donc moins 1 à la puissance 3 plus 1. Le coefficient A3, 1, qui est sur la troisième ligne, la première colonne. La troisième ligne, on a 1, 2, 3, la troisième ligne qui est là, et la première colonne qui est là. Donc, le A3, 1, c'est ce coefficient-là. C'est le coefficient 1. Que multiplie le déterminant? Delta 3, 1. Delta 3, 1, donc on va prendre la troisième ligne. La troisième ligne, elle est là. Et la première colonne, on va les cacher. Il reste ce déterminant-là. 1, 0, 1, 1. Ça, c'est delta 3, 1. Ensuite, moins 1 à la puissance 3 plus 2. On a 3 plus 1. Là, on passe à 3 plus 2. A, indice 3, 2. C'est ce coefficient-là. C'est égal à 1. Fois delta, indice 3, 2. Delta, indice 3, 2, c'est-à-dire on va cacher cette ligne et cette colonne. Il reste 1, 0, 0 moins 1, plus moins 1 à la puissance 3 plus 3, que multiplier A3, 3, c'est le coefficient qui est là, c'est 1, que multiplier le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la troisième ligne et la troisième colonne. Donc il reste 1, 0, 1, 1. Et ça c'est égal, là on a plus 1 fois 1, là on a moins 1, moins 0, donc ça fait 1, moins 1. Là on a moins 1, fois 1, et là, fois moins 1, donc moins 1 fois moins 1, ça va faire un plus 1. Plus, là on va avoir plus 1 fois 1, et là, 1 moins 0, ça fait 1, donc on obtient ici 1. Donc moins 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Et ça donne le même résultat que lorsqu'on a développé par rapport à la première ligne. Ça, c'est l'une des propriétés des déterminants. Ensuite, on a cette propriété-là qui nous dit que le déterminant d'une matrice A et le déterminant de sa transposée sont égaux. A n'est pas égal à sa transposée. En général, ils sont deux matrices différentes. Mais le déterminant de A est égal au déterminant de sa transposée. C'est-à-dire, ce déterminant-là est égal à celui-là. Donc là, on voit que les colonnes de ce terminal-là, la première colonne ici, c'est la première ligne ici. La deuxième colonne ici, c'est-à-dire la deuxième colonne de la transposée de A, c'est la deuxième ligne de la transposée, c'est la deuxième ligne de la matrice A. Donc, de toute façon, cette propriété-là, il est vrai, on la démontre, le déterminant de A, c'est égal au déterminant de sa transposée. Je répète, A et transposée A, ce sont des matrices différentes, mais elles ont le même déterminant. Donc, ces propriétés-là, donc, on peut les vérifier facilement pour des déterminants d'ordre 2, de un déterminant d'ordre 3, et en général, c'est vrai pour un déterminant d'ordre n. Et donc, si on fait, puisqu'on a le déterminant de A, c'est égal au déterminant de sa transposée, et le déterminant de la transposée de A, si on développe, on va avoir ces quantités-là. Donc, moins A puissance 1 plus 1, le coefficient, le premier coefficient dans le coin, c'est A1, 1. Lorsqu'on enlève la première ligne, la première colonne, on obtient delta 1, 1, et on enlève la première ligne, la première colonne. Donc normalement, ici, c'est delta 1, 1 prime. C'est le transposé de delta 1, 1. Mais par récurrence, on a delta 1, 1, 1, c'est la même chose que delta 1, 1 prime. Là, le coefficient suivant, c'est moins 1 puissance 1 plus 2. Le coefficient qui est sur la première ligne et la deuxième colonne, c'est pour la transposée, c'est le coefficient A de 1. Et le déterminant delta 1 de prime, c'est le déterminant delta 2, 1. Et on continue jusqu'à cette quantité-là. Dans ce développement-là,
on voit les coefficients a1, a21, an1, qui sont les coefficients de la première colonne. Ce sont les coefficients de la première colonne. Donc, on obtient, donc pour calculer le déterminant de A, on a dit que c'est la même chose que le déterminant de la transposée de A. Et le déterminant de la transposée de A, si on développe par rapport à la première ligne, on obtient le développement du déterminant de A en développant par rapport à la première colonne. En développant par rapport à la première colonne. Et donc, pour calculer un déterminant, on peut développer par rapport à la première ligne, ou bien en général par rapport à n'importe quelle ligne, comme on a dit avant, on obtient aussi la même chose. Donc on peut développer un déterminant par rapport à la première colonne, et en général par rapport à n'importe quelle colonne. Donc on peut écrire, donc déterminant de A égale à moins 1 à la puissance, là on fixe G, c'est l'indice de la colonne, et on fait varier l'indice qui est là. Moins 1 à la puissance 1 plus G, A1J, delta 1J. Moins 1 à la puissance 2 plus G, A2J, delta 2J. Jusqu'au dernier, moins 1 à la puissance N plus J, ANJ, delta NJ. Donc, et ça va servir dans la suite. Donc, par exemple, pour calculer ce déterminant, delta 1,1, ce déterminant-là, c'est la même chose que le déterminant de la transpose de cette matrice-là, puisque si on transpose cette matrice-là, cette ligne va devenir une colonne ici, cette ligne va devenir cette colonne, et cette ligne va devenir cette colonne. Donc ça c'est le déterminant de A, et ça donc c'est la même chose que le déterminant de sa transposée. Et le déterminant de transposée de cette matrice-là, c'est la même chose que le déterminant de la matrice elle-même, c'est-à-dire de cette matrice-là. Et le déterminant qui est là, on l'a déjà calculé, c'est ce qu'on appelait delta, on a trouvé que c'est égal à 1. Ensuite, parmi aussi les propriétés des déterminants, si on prend une matrice A, dont les coefficients sont les A et G, là les coefficients de la première ligne, deuxième ligne, ainsi de suite, là ce sont les coefficients de la première colonne, deuxième colonne. Là, on va appeler cette colonne-là, ça, donc c'est C1, la deuxième C2 jusqu'à CN. Les lignes, là, c'est la première ligne, L1, L2, jusqu'à la ligne d'indice N, la nème ligne. Donc les coefficients de la colonne d'indice J, de la jème colonne, ils sont là. Donc là, on a toujours J, et l'indice qui varie, là, suivant la ligne. Et là, la ligne Li, c'est la ième ligne, donc les coefficients, là, le premier indice c'est toujours I, c'est le coefficient de la ligne I, et le deuxième indice il va varier, donc de 1 jusqu'à N. Donc, si on écrit déterminant de A, donc il va être égal à cette quantité-là. Si on échange la place de la colonne si C d'indice J1, et C d'indice J2. On va échanger la colonne d'indice J1 avec la colonne d'indice J2. C'est-à-dire, on va mettre les coefficients de la colonne CJ2 ici. On va les mettre à la place ici. Et on va mettre les coefficients de CJ1 ici, à la place des coefficients de CJ2. Ce déterminant-là, donc ce déterminant est égal à moins celui-là. C'est-à-dire lorsqu'on échange deux colonnes entre elles, le déterminant il est multiplié par moins 1. Donc, par exemple, si vous faites le calcul d'un déterminant d'ordre 2, là si vous faites A, B, C, D, qu'il est facile de voir que ce résultat-là. Donc ça va vous faire A, D, moins B, C. Mais si vous faites le calcul du déterminant, on va échanger la première colonne avec la deuxième. Là, on va mettre BD. Et là, on va mettre A, C. Celui-là est égal à BC
moins AD. Donc si ce déterminant-là, on l'appelle delta, delta, ce déterminant-là, c'est en fait moins delta. Alors regardez ici, si on fait moins delta, ça va faire BC moins AD. Donc BC moins AD. Donc lorsqu'on échange deux colonnes entre elles, le déterminant il est multiplié par moins 1. C'est vrai alors pour 2 et c'est vrai en général pour un déterminant quelconque. Ensuite, donc ce qu'on a dit, ce qui est vrai donc pour les colonnes, il va être aussi vrai pour les lignes. Donc si on échange deux lignes entre elles, donc ici on a LI1, LI2. Si on change ici, on met l'équation de LI2 et là l'équation de LI1, le déterminant il est multiplié par moins 1. Ça vient donc du fait que déterminant de A égale déterminant de 2 sont transposés. Donc tout ce qui est vrai pour les colonnes, c'est vrai aussi pour les lignes. Donc un petit exemple, si on prend delta de ce déterminant-là, on veut le calculer, on va échanger L1 avec L2. Si on change L1 avec L2, là, il faut multiplier par moins 1. Donc L1, on va la mettre ici à la place de L2. Et on va mettre L2 à la place de L1, c'est-à-dire 1, 0, 1. Donc là, il faut multiplier par moins 1. Ensuite, ce déterminant-là, on va échanger C2 et C3. La colonne C2 et la colonne C3. Donc on va avoir, donc lorsqu'on échange, il faut multiplier par un autre moins 1. Donc ce moins 1, c'est parce qu'on a changé de ligne. Ce moins 1, parce qu'on a changé de colonne. Donc on va changer, cette colonne reste ici. Et on va mettre ici cette colonne-là à la place de la deuxième. Donc c'est 1, 1, et là ça fait 0, moins 1. Donc moins 1 fois moins 1, ça fait 1 plus. Ce déterminant-là, on l'a déjà calculé. C'est le déterminant delta qui est déjà calculé. Et ça, on a trouvé que c'est égal à 1. Donc finalement, ce déterminant delta 2 est égal à 1. Donc on l'a calculé en fonction de delta, juste en jouant sur les lignes et les colonnes. Une autre propriété des déterminants, si on a déterminant de n colonnes avec la colonne d'indice j qui est de la forme lambda fois une colonne 6j, c'est-à-dire on veut calculer ce déterminant-là, ce déterminant delta. Et là, on voit dans cette colonne-là, tous les coefficients sont multipliés par un même coefficient lambda. Parmi les propriétés des déterminants, ce lambda-là, on peut le faire sortir. On peut le faire sortir. Uniquement lorsque lambda est multiplié par les coefficients d'une seule colonne. Donc on peut faire sortir le lambda, et là, il reste le coefficient a1j, a2j, jusqu'à anj. Et là, les autres colonnes, on ne les a pas touchées. Donc, ce qui signifie, donc cette propriété-là, elle est intéressante, il faut faire attention. On a lambda fois un déterminant, c'est égal à ce déterminant-là. C'est-à-dire le lambda, on peut le faire entrer et multiplier par une seule colonne. Hein. Par exemple, on peut multiplier par cette colonne-là. On peut faire entrer le lambda et le multiplier par les coefficients qui sont ici. Mais attention, il ne faut pas le multiplier par tous les coefficients qui sont à l'intérieur. Ça, ce n'est pas vrai. Lambda fois un déterminant, c'est égal à ce déterminant-là, avec une colonne qui a été multipliée par lambda. Ce n'est pas la même chose que la multiplication externe d'une matrice par lambda. Ce qu'on a dit pour les colonnes, c'est vrai pour les lignes, c'est qu'on a ce déterminant-là qui est multiplié par lambda. Donc on peut faire entrer lambda à l'intérieur et multiplier une seule ligne par lambda. Là, on a multiplié par Li. On peut, au lieu de multiplier et on multiplie L1 ou Ln, de toute façon, le lambda qui entre à l'intérieur, il est multiplié par une seule ligne. Ensuite, si on a un déterminant de plusieurs colonnes, de C1 jusqu'à CN, et avec la colonne qui est dans
la position J, la jème colonne, qui s'écrit sous forme de somme de deux colonnes. Somme de deux colonnes. Donc, ce déterminant-là est égal au déterminant qui est là, avec ici la colonne CG, plus le déterminant qui est là, avec ici la colonne CG'. C'est-à-dire, on peut séparer ce déterminant-là en deux. On garde les autres colonnes, mais ici, on peut séparer. Donc, la CG, là, CG'. C'est-à-dire, ce déterminant-là, c'est avec cette colonne-là qui, dont les coefficients se forment de somme de plusieurs coefficients, 2 à 2. Donc, on peut séparer les coefficients, les A, I, J ici, et les A, J' ici, pour avoir ce déterminant plus celui-là. Donc, c'est vrai pour les colonnes, c'est vrai aussi pour les lignes. Si on a une ligne qui est somme de deux lignes, donc on peut séparer ce déterminant-là. Il écrit sous forme de somme de deux lignes, de somme de deux déterminants. Ce déterminant-là, dans lequel on garde tous les coefficients, sauf les coefficients de la IM ligne. Et là aussi, on garde tous les coefficients, sauf la IM ligne. Ici, on a séparé. Donc, ces deux dernières propriétés traduisent le fait que le déterminant est linéaire par rapport à chaque ligne. Et aussi, il est linéaire par rapport à chaque colonne. Il n'est pas linéaire par rapport à la matrice tout entière. C'est-à-dire qu'on n'a pas déterminant de lambda A égale lambda déterminant de A. On voit que ce n'est pas vrai. Et on n'a pas le déterminant de A plus B égale déterminant de A plus déterminant de B. Ce n'est pas vrai. On a la linéarité par rapport à chaque ligne et à chaque colonne. C'est-à-dire, si on a une ligne qui est multipliée par lambda, le lambda il peut sortir à l'extérieur. Si on a une colonne qui est multipliée par lambda, le lambda il peut sortir à l'extérieur. Si on a une ligne qui est somme de deux lignes, donc on peut la séparer en deux. La même chose pour les colonnes. Donc, par exemple, si on prend ce déterminant-là, D, ici on voit que dans cette ligne-là, on peut factoriser moins 2. On a moins 2 fois 2. Moins 2 fois 3, et là on a moins 2 fois 1. Donc si on fait sortir le lambda égal à moins 2, ici on va garder donc 2, 3, 1. Les autres coefficients, on ne les touche pas. Les autres coefficients ne sont pas, on ne doit pas les toucher. On fait sortir juste le lambda à partir de cette ligne. Lambda, c'est moins 2. Ensuite, on voit dans cette colonne-là un coefficient qui apparaît partout. Donc 3 fois 1, 3 fois 1, 3 fois 1. Donc on peut faire sortir ce coefficient-là, 3. Et là, cette colonne ici, elle va rester 1, 1, 1. Les autres colonnes, on ne les touche pas. Donc là, 1, 0, 2, 0, moins 1, 1. Ensuite, donc, ce déterminant-là, donc, par exemple, si on regarde cette colonne-là, on peut la séparer en deux. Écrire que c'est la colonne 1, 0, 1 plus la colonne 0, 1. Donc, si on fait cette colonne-là plus celle-là, on obtient cette colonne-là. Donc, d'après les propriétés déterminants, donc ce déterminant-là est égal à celui-là avec cette colonne-là, est égal à celui-là avec la colonne qui est là. Mais les deux autres colonnes, on ne les touche pas. Ces deux colonnes-là, on ne les touche pas. Donc finalement, on obtient donc ici moins 6, entre parenthèses, le déterminant delta, qu'on a déjà calculé, plus le déterminant delta prime, qui est ce déterminant-là. Delta, on l'a déjà calculé, on a trouvé 1. Il faut donc ensuite, calculer delta prime. Donc, pour calculer delta prime, donc on utilise la formule, on développe, si vous voulez, par rapport à la première colonne, il contient beaucoup de zéros. Ça va faire moins a puissance 1 plus 1 fois 0 fois le déterminant qui reste, donc ça fait 0. Moins a à la puissance 2 plus 1 fois 0, donc fois le déterminant qui reste, ça fait 0. Moins a à la puissance 3 plus 1, troisième ligne, plus, donc ce déterminant-là. Ça va faire moins 1. Lorsqu'on est là, donc ça va faire troisième ligne,
plus première colonne fois le 1, le coefficient a indice 3, 1 fois le déterminant qui reste lorsqu'on enlève cette colonne et cette ligne. Donc il reste 1, 0, 1, moins 1. Et là, donc, ça fait 1 fois 1, ça fait moins 1, moins 0, ça fait moins 1. Fois 1 fois 1, donc ça donne moins 1, en développant par rapport à la première colonne. Donc 1 plus moins 1, ça fait 1, 0. Donc ce déterminant-là est égal à 0. Ensuite, une autre propriété des déterminants. Donc pour deux matrices carrées d'ordre n, on a le déterminant de la matrice A fois B, qui est aussi une matrice carrée d'ordre n. C'est le déterminant de A que multiplie le déterminant B. Donc le déterminant du produit de deux matrices, c'est le produit de leur déterminant. C'est une propriété très intéressante. On va voir l'utilité dans la suite. Attention, il faut faire quand même attention, on n'a pas dit que le déterminant de A plus B est égal au déterminant de A plus le déterminant de B. C'est faux. Le déterminant de A plus B n'est jamais égal au déterminant de A plus le déterminant de B. En général, c'est faux. Mais le déterminant de A fois B, qui est égal donc, d'après cette propriété-là, au déterminant de A fois le déterminant de B, puisque là, déterminant de A et déterminant de B sont des éléments de K, ce sont soit des réels, soit des complexes. Et on sait que dans K, la multiplication, elle est commutative. Donc ça, c'est la même chose que le déterminant de B fois le déterminant de A. Et le déterminant de B fois le déterminant de A, on utilise cette formule-là, c'est la même chose que le déterminant de B fois A. Donc, ici à l'intérieur, c'est le produit matriciel. Ici à l'extérieur, c'est le produit entre des éléments de K. Donc finalement, on vient de trouver que le déterminant de A fois B, c'est la même chose que le déterminant de B fois A. Même si les matrices A fois B et les matrices B fois A, en général, ils sont différentes. On n'a pas la commutativité du produit entre les matrices. Mais quand même, on a le déterminant de AB égale déterminant de BA. En plus, lorsque A est une matrice inversible, on sait que donc A fois A moins 1 égale à IN, avec A moins 1 c'est l'inverse de A. Donc déterminant de A fois déterminant de A moins 1 est égal à déterminant de A fois A moins 1, d'après la propriété qui est là. Or, le déterminant de la matrice A, A moins 1, c'est la matrice IN. Donc on obtient ici, c'est égal à le déterminant de la matrice IN. Et ça, on a trouvé que c'est égal à 1, d'après les exemples vus avant. Donc on obtient alors, lorsque A il est inversible, son déterminant est différent de 0. Parce qu'on ne peut pas avoir ici 0 fois ça égal à 1. C'est pas vrai. Donc forcément, le déterminant de A est différent de 0. Et en plus, le déterminant de A moins 1 est égal à 1 divisé par le déterminant de A. En utilisant ce qu'on vient de trouver ici. Donc le déterminant de l'inverse d'une matrice, c'est l'inverse du déterminant. L'inverse ici donc A, c'est-à-dire 1 sur alpha. Si le déterminant de A moins 1 égale alpha, si le déterminant de A égale alpha, le déterminant de A moins 1 égale 1 sur alpha. Donc le déterminant de l'inverse d'une matrice, c'est l'inverse du déterminant de cette matrice-là. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc merci de votre attention. Alors, donc on continue donc le cours sur les déterminants. Donc la dernière chose qu'on a vue l'autre fois dans la première partie du cours sur les déterminants. Donc la dernière chose, on a vu que le déterminant du produit de deux matrices, c'est le produit de leur déterminant. Ensuite, on a vu que le déterminant de A fois B est égal au déterminant de B fois A, même si les deux matrices A, B et B, A ne sont pas égales.
On a vu aussi que le déterminant de A, comme tu l'as dit, le déterminant de A moins 1, c'est égal au déterminant de IN, notre identité égale 1. Et donc, lorsque A est inversible, son déterminant forcément est différent de 0. Et le déterminant de A moins 1 égale 1 sur le déterminant de A. Ensuite, soit F un endomorphisme sur un espace vectoriel E de dimension n. Donc, et soit M la matrice de cet endomorphisme par rapport à une base B donnée. Et soit M prime la matrice de F par rapport à une autre base B prime. On sait que lorsqu'on change de base, la matrice d'un endomorphisme, elle change. Donc pour chaque base, on a une matrice donnée. Et on a la relation qui lie les deux matrices par rapport à des bases différentes. On sait que M', la matrice de la nouvelle base, est égale à P-1, la matrice de passage, P-1, que multiplie la matrice de F dans l'ancienne base, que multiplie P. On a déjà vu cette formule-là dans le cours. Sur une matrice, avec P, c'est la matrice de passage de la base B à la base B'. Or, le déterminant de la matrice M', donc il va être égal au déterminant de P-1 MP. Et on sait que le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Donc là, si on pose A, c'est P-1 et B, c'est la matrice MP. Donc, déterminant de P-1 MP, c'est le déterminant de P-1 que multiplie le déterminant de MP. Donc, c'est vrai pour 2. On va aussi le faire entre ces deux matrices-là. C'est encore vrai. On va avoir donc en fin de compte le déterminant de P-1 égale le déterminant de M que multiplie le déterminant de P. Les éléments qui sont là, le déterminant c'est un élément de K. Et on a ici le produit, c'est le produit dans l'ensemble K qui est égal à soit R soit C. On sait que la multiplication donc, est commutative, donc on fait passer le déterminant de P à côté de celui-là. On va avoir déterminant de P-1 fois le déterminant de P fois le déterminant de M. Mais le déterminant de P-1, c'est égal à 1 sur le déterminant de P. Donc il reste ici déterminant de M, tout simplement. Puisque ce produit-là est égal à 1. Ce qui veut dire que le déterminant de la matrice M' et le déterminant de la matrice M, ils sont égaux. Avec M et M', ce sont les matrices de F par rapport à des bases différentes. Mais leurs déterminants, ils sont toujours égaux, sont égaux à la même quantité. Ce qui veut dire que le déterminant d'une matrice d'un endomorphisme donné ne dépend pas de la base choisie. Donc c'est une caractéristique de F. C'est une caractéristique de l'endomorphisme F. Et donc on va le noter déterminant de F, puisqu'il dépend du F. Il ne dépend pas de la base B choisie. Donc par suite, cette quantité-là, déterminant de la matrice de F par rapport à une base donnée, c'est une constante, c'est une caractéristique de F, donc on la note déterminant de F. Une autre donc, propriété des déterminants, c'est que le déterminant ne change pas, justement d'une matrice donnée, ne change pas si on ajoute à l'une de ces colonnes, ce qui est aussi vrai pour les lignes, respectivement pour les lignes, si on ajoute à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes. C'est-à-dire que cette combinaison linéaire ne doit pas contenir la ligne sur laquelle on travaille. La même chose pour les lignes. Donc un petit exemple, donc soit A, cette matrice-là, alors le déterminant de A est égal. Là, on a la colonne C1, là c'est la colonne C2, là c'est la colonne C3. Donc on remarque que si on fait C1, si on lui ajoute C2 plus C3,
Donc on va faire C1 plus une combinaison linéaire des autres, c'est-à-dire quelque chose de la forme alpha C2 plus alpha C3. Donc on va faire 1 point C2 plus 1 point C3. Donc à C1, on ajoute une combinaison linéaire des autres colonnes. Ici, il ne doit pas y avoir de C1. Donc, c'est-à-dire, en fin de compte, on va faire C1 plus C2 plus C3. Donc, cette colonne-là plus celle-là plus celle-là. On va mettre ça à la place de C1. Donc, A plus B plus C, ensuite B plus C plus A, ensuite C plus A plus B. Et les deux autres colonnes C2 et C3, on va les garder, on ne va pas les toucher. C2 et C3. Là, on voit que dans cette colonne-là, on a un même coefficient qui apparaît. Si on pose lambda égale A plus B plus C, là on a lambda fois 1. Là aussi on a lambda fois 1. Là aussi on a lambda fois 1. Donc d'après les propriétés des déterminants, on peut faire sortir ce lambda, c'est-à-dire la quantité A plus B plus C. On peut la faire sortir, donc que multiplier le déterminant qui reste. Ce qui va rester, la colonne C2, C3, on ne touche pas. Et là il va rester 1, 1, 1. Ensuite, dans ce déterminant-là, on peut aussi faire utiliser cette propriété-là. Donc, à la première ligne, on va ajouter une combinaison linéaire des autres lignes. C'est-à-dire, on va faire L1 plus, c'est la ligne L2, on va jouer sur la ligne L2, celle-là. On va faire L2 moins L1. C'est-à-dire L2 plus une combinaison linéaire des autres, c'est-à-dire plus moins L1 plus 0 L3. Donc ça c'est une combinaison linéaire de L1 et de L2, moins 1 L1 plus 0 L3. C'est-à-dire on va faire L2, la ligne L2, tout simplement, ça c'est moins L1. Donc si on fait cette ligne moins celle-là, 1 moins 1 c'est 0, C moins B, il a A moins C. C moins B, A moins C. Donc on a utilisé cette propriété-là, donc deux fois. On a joué sur la colonne, là on a joué sur la ligne. On va encore utiliser cette propriété-là. Dans la suite, pour avoir un 0 ici, on va faire L3 moins L1. Et donc là, c'est L3. On a fait L3 moins L1. On a ajouté à L3 la combinaison linéaire moins 1 L1 plus 0 L2. Donc ça c'est L2 plus une combinaison linéaire des autres lignes. Ce qui nous donne 0, A moins B, A moins C. Donc ce déterminant-là, il est plus simple que les précédents parce que dans cette colonne-là, on a un maximum de 0. Donc on va développer par rapport à cette colonne-là. Donc ce déterminant-là est égal. Donc, moins 1 puissance 1 plus 1, ça va faire 1 plus. Le coefficient là, qui est là, c'est 1, fois le déterminant qui reste lorsqu'on barre cette ligne et cette colonne. Donc, il reste ce déterminant-là. C'est un déterminant d'ordre 2. Donc, sans calcul, ça fait C moins B fois B moins C, qui va donner moins C moins B, entre parenthèses, au carré. Moins le produit A moins B fois A moins C, A moins B fois A moins C. Et finalement, donc le déterminant de A est égal à cette quantité-là, en utilisant donc les propriétés des déterminants. Une petite remarque, donc pour calculer un déterminant, on utilise les propriétés qu'on vient de voir ci-dessus, au maximum, on les utilise à fond pour faire apparaître des zéros sur la ligne, ou sur la colonne par rapport à laquelle on veut développer les calculs, comme on a fait tout à l'heure. Donc quelques notations sur les matrices, quelques notations et quelques exemples. Donc soit A une matrice carrée d'ordre n, le delta ij, on l'a défini avant, donc c'est le mineur du coefficient A et J,
C'est le déterminant qu'on obtient à partir de A en éliminant la i-m ligne et la j-m colonne. On va poser alpha ij égale à moins 1 à la puissance i plus j fois le delta ij. Donc cette quantité-là, on l'appelle le cofacteur de aij. C'est le cofacteur de aij. Delta ij, c'est le mineur. Et moins 1 puissance i plus j fois delta ij, ça, on l'appelle le cofacteur de aij. Et donc les alpha ij, lorsque i et j vont varier, vont nous donner des coefficients d'une matrice. Cette matrice, on l'appelle la comatrice de A. On la note co A, c'est la matrice formée par les alpha ij avec i entre 1 et n et j entre 1 et n. Donc là, on va avoir alpha 1, 1, alpha 1, 2, alpha jusqu'à alpha 1, n qui vont être sur la première ligne. Alpha 2, 1, alpha 2, 2 jusqu'à alpha 2, n qui vont être les coefficients de la deuxième ligne et ainsi de suite. Donc à partir de la matrice A, donc on calcule les alpha et j et on va les mettre dans une matrice, dans un tableau. Donc cette matrice-là, on l'appelle la comatrice de A. Donc un petit exemple, donc on considère cette matrice A. On a d'abord le déterminant de A qui est égal, cette matrice-là, donc pour calculer son déterminant, on développe par rapport à cette ligne qui contient un maximum de 0. Donc là, ça fait moins 1 à la puissance 3 plus 1 fois 0, ainsi de suite. Là, on regarde uniquement ce coefficient-là. Là, il y a des 0 partout, sauf ici. Lorsqu'on est là, c'est la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc ça fait moins 1 à la puissance 3 plus 2. Ça fait moins. Voilà, on met le moins ici. 4. Donc ça va faire un moins 4. Moins 1 fois 4, donc ça fait moins 4. Que multiplie les déterminants qui restent lorsqu'on enlève cette ligne et cette colonne. Il reste 1, 2, 0, 1. Ça, c'est un déterminant d'ordre 2, donc ça fait 1 moins 0. Donc ça fait 1 fois moins 4, donc ça fait moins 4. Et tout de suite, on a donc le déterminant de A. Ensuite, le A indice 1, 1, c'est le coefficient qui est là, coefficient 1. Et le delta 1, 1, c'est le déterminant qu'on obtient lorsqu'on barre ça et ça. Donc il reste ce déterminant-là. C'est moins 1, 4, 1, 0. Moins 1, 4, 1. Donc ça, ça fait 0, moins 4. Donc delta 1, 1, c'est moins 4. Delta 1, 2, c'est le coefficient 5. Et delta A1, 2, c'est le coefficient 5. Et delta 1, 2, donc on barre la première ligne, la deuxième colonne. Donc il reste 2, 0, 1, 0. Ce déterminant-là est égal tout de suite à 0. Ensuite, A, indice 1, 3, c'est 0. Ensuite, pour avoir delta 1, 3, on barre cette ligne et cette colonne. Il reste 2, 0, moins 1, 4. Donc ça, ça fait 2 fois 4, ça fait 8, moins 0, ça fait 8. A2, 1. A2, 1, c'est le coefficient 2 qui est ici. Deuxième ligne, première colonne. Donc c'est égal à 2. Et delta 2, 1, donc on barre cette ligne et on barre cette colonne. Donc il reste 5, 4, 0, 0. 5, 4, 0, 0. Tout de suite, ça, c'est égal à 0. A2, 2, c'est ce coefficient-là, c'est moins 1. Ensuite, pour avoir delta 2, 2, on cache ça et on cache ça. Il reste 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Tout de suite, ça, c'est égal à 0. A2, 3, donc deuxième ligne, troisième colonne, le coefficient, c'est 1. Et delta 2, 3, donc on cache ça et ça, il reste 1, 0, 5, 4. Ça fait tout de suite 4 moins 0, ça fait 4. Et A3, 1, donc c'est 3. Delta 3, 1, donc on obtient ça, donc tout de suite c'est 5. A3, 2, c'est 4. Et delta 3, 2, ça fait 1. Et ainsi de suite, on calcule, donc on a tous les A et J, et on calcule les delta I, J. Donc la comatrice de A, on a dit qu'il est formé par alpha et J, les alpha et J, qui sont égales moins 1 à la puissance i plus j que multiplie le coefficient, le cofacteur, le mineur delta ij. Donc si on commence par alpha 1, 1, ça fait moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois delta 1, 1. Le moins 1 puissance i plus j, lorsqu'on commence ici,
ça fait moins 1 puissance 1 plus 1. Donc moins 1 au carré, ça fait 1 plus. Donc là, c'est 1 plus. Tout de suite. L'autre qui va venir ici, ça va faire moins 1 à la puissance 1 plus 2. C'est-à-dire moins 1 à la puissance 3. Ça va faire 1 moins. L'autre, on va ici avoir moins 1 puissance 1 plus 3. Ça va faire 1 plus. Donc pour éliminer le problème des moins 1 puissance i plus j, on vient ici dans ce coin-là. On écrit 1 plus, là 1 moins, plus, là ça va faire moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc ça, ce sont les moins 1 à la puissance i plus j. Et ensuite, là, on va mettre les delta ij. Donc moins 1 puissance 1 plus 1 fois delta 1. Là, on écrit delta 2, là, on écrit delta 3. On a calculé ces coefficients-là. Il suffit de les mettre ici. Donc, par exemple, ce coefficient-là. Donc, on a dit que c'est moins delta 2, 3. Donc, ce coefficient, plutôt celui-là, puisqu'on a ici devant nous. Donc, on a par exemple A3, 1, troisième ligne, première colonne, c'est 5. Le delta 3, 1, delta 3, 1, c'est 5. Avec un 1 plus, donc ça fait plus 5. Là, moins delta 3, 2. Donc le delta 3, 2, c'est 1. Avec le moins, ça fait 1 moins 1. Et pareil pour les autres. Donc finalement, la comatrice de A, c'est cette matrice-là. La comatrice de A, qui est une matrice d'ordre 3, c'est aussi une matrice d'ordre 3, une matrice carrée. Ensuite, on a la proposition suivante. Donc soit une matrice d'ordre n, à coefficient dans K. On a le résultat suivant. A est une matrice inversible, on dit aussi régulière, si seulement si le déterminant de A est différent de 0. Donc ça, c'est un résultat très intéressant parce que à partir du déterminant de A, qui est un élément de K, c'est un réel ou bien un complexe, c'est une constante qui dépend de A. On peut donc juger, on peut savoir si A il est inversible ou non. Donc A c'est une matrice, il est dans le monde des matrices, et donc il peut être inversible et il peut ne pas être inversible. À l'aide de la définition de ce qu'on vient de définir, cette notion de matrice, donc on peut avoir des informations très précieuses sur la matrice A. Parmi ces informations-là, c'est l'inversibilité. Donc, on a ici une équivalence. Et dans ce cas, c'est-à-dire lorsque le déterminant de A est différent de 0, la matrice A moins 1, pour la calculer, il est donné par cette formule-là. A moins 1 égale à 1 sur déterminant de A, qui est un scalaire, point la transposée de la comatrice de A. C'est-à-dire pour calculer A moins 1, il faut d'abord calculer le déterminant de A. S'il est différent de 0, on va calculer la comatrice de A. Et lorsqu'on a la comatrice de A, on transpose, c'est-à-dire les lignes deviennent des colonnes, et ensuite on multiplie cette matrice-là par ce coefficient-là, par ce scalaire. Et ainsi, on obtient donc A moins 1. Pour comprendre ce résultat, donc si A est inversible, on a déjà vu que le déterminant de A est différent de 0, et que le déterminant de A moins 1 égale 1 sur le déterminant de A. Donc, ça, c'est déjà vu. Ensuite, si le déterminant de A est différent de 0, on calcule cette matrice. Et lorsqu'on fait le calcul, après on fait A fois B, et on montre que c'est égal à B fois A, et que c'est égal à la matrice IM. Ce qui veut dire que cette matrice B, c'est l'inverse de la matrice A. C'est-à-dire que A moins 1 est égal à B. Donc, un petit exemple. Donc, pour une matrice A carré d'ordre 2, le déterminant de A, tout de suite, c'est A fois D moins B fois C. Donc, si AD moins B, c'est différent de 0, c'est-à-dire le déterminant de A est différent de 0, on va calculer les cofacteurs. On commence d'abord par calculer les delta ij, c'est-à-dire les mineurs. Donc, delta 1, 1. Donc on élimine la première ligne, la première colonne. On élimine la première ligne et la première colonne. Il reste le coefficient d. Donc delta 1, 1 égale d. C'est un déterminant d'ordre 1. Delta 1, 2. On élimine la première ligne et la deuxième colonne. Il reste le coefficient c.
Delta 2, 1. On élimine la deuxième ligne, la première colonne. Il reste B. Un déterminant de rho 1 qui est égal à B. Delta 2, 2. On élimine la deuxième ligne, la deuxième colonne. Il reste le coefficient A. Donc delta 2, 2 égale A. Et donc la comatrice de A va être égale. Là, comme j'ai dit, donc pour les moins 1 puissance et plus j, on les distribue tout de suite. Là, toujours ici, dans ce coin-là, c'est 1 plus. Ensuite, moins, plus, moins. Là, delta 1, 1, c'est D. Là, delta 1, 2, c'est C. Là, delta 2, 1, c'est B. Et là, c'est delta 2, 2, c'est A. Ensuite, on transpose la transpose de la comatrice. C'est-à-dire cette matrice-là, cette colonne va devenir la ligne de la transposée. C'est-à-dire, on va ici D moins B. Et cette colonne va devenir la deuxième ligne ici, moins CA. Donc ça, c'est la transposée de la comatrice. Par suite, A moins 1, c'est-à-dire l'inverse de cette matrice-là, c'est égal à 1 sur déterminant de A, donc cette quantité-là, point la matrice transposée de la comatrice, point cette matrice-là. Et donc, ce coefficient-là, on peut le faire entrer à l'intérieur et le distribuer. Donc on va avoir ça fois ça, ensuite ça fois ça, ensuite ça fois ça, ensuite ça fois ça. Ou bien on peut laisser comme ça, donc on a le choix. Deuxième exemple, pour la matrice ci-dessus qu'on a déjà vu avant, A, on a calculé sa comatrice, on a trouvé que c'est égal à cette matrice-là. Et on a calculé le déterminant, on a trouvé que c'est égal à moins 4. Donc A moins 1, c'est-à-dire l'inverse de cette matrice-là, c'est 1 sur déterminant, donc 1 sur moins 4, transposé de la comatrice. Donc cette ligne devient colonne. La deuxième ligne ici devient la deuxième colonne. La troisième ligne ici devient la troisième colonne ici. Et donc, on obtient A moins 1 cette matrice-là. Ensuite, on peut faire entrer le moins 1 quart à l'intérieur. On peut faire entrer le moins, il est ici, c'est 1 quart. Et donc, si on fait le moins à l'intérieur, c'est-à-dire on multiplie par moins 1 à l'intérieur, donc on va avoir ici 4, 0, moins 5, 0, 0, plus 1, moins 8, 4, plus 11. Ça, c'est la multiplication externe d'une matrice par un scalaire. Donc, on peut laisser comme ça, ou bien on peut les faire entrer le 1 quart à l'intérieur. Ici, on va avoir la matrice, si on fait entrer le 1 quart, là, on va avoir 1, 0, moins 5 quarts, 0, 0, 1 quart, moins 8 sur 4, c'est-à-dire moins 2, et là, 1, et là, 11 sur 4. Donc, on choisit la forme qui nous plaît. Donc, quelques conséquences de ce qu'on vient de voir. Une première conséquence, donc, si on a F, un endomorphisme d'un espace vectoriel E, avec la dimension de E égale N, alors on a le résultat suivant. F est bijective si et seulement si le déterminant de F est différent de 0. Ce résultat-là, on l'a parce qu'on sait que F est bijective si et seulement si sa matrice est une matrice inversible. Ça, on l'a déjà vu. F est bijective si et seulement si sa matrice est une matrice inversible. Et la matrice M de F par rapport à la base inversible, c'est seulement si le déterminant de cette matrice est différent de 0. Et le déterminant de cette matrice-là, c'est exactement ce qu'on a défini par déterminant de F. Donc en fin de compte, F est bijective, c'est seulement si le déterminant de l'endomorphisme F est différent de 0. Deuxième chose, donc soit B, une base de E, constituée des vecteurs E1 jusqu'à EN, une base de E, et soit T, une famille contenant des vecteurs V1, V2 jusqu'à VN, une famille qui contient N vecteurs de E. Donc pour chaque J entre 1 et N, le vecteur VJ qui appartient à E, il va s'écrire combinaison linéaire des EK. Donc il va avoir des coordonnées dans la base B. Donc là, VJ va s'écrire A1J E1, A2J E2, A3J E3, on va jusqu'à N,
on va avoir A-N-J-E-N. Donc les A, K, J sont les coordonnées de VJ dans la base B. Donc ces coordonnées vont être égales. Donc là, la première coordonnée, ici on a dit A-N-J, A de J jusqu'à A-N-J. Donc là, c'est un A-N, ce n'est pas un V. A-N-J. A-N-J, A de J jusqu'à A-N-J. Donc ce sont les coordonnées du vecteur VJ. Ça, c'est pour chaque J entre 1 et N. Donc, le déterminant de la famille V1, V2 jusqu'à Vn par rapport à la base B, donc c'est le déterminant de cette matrice-là, qui est constitué par les coordonnées des vecteurs VJ. Ça, ce sont les coordonnées de V1. La deuxième colonne, les coordonnées de V2. Et la énième colonne, ce sont les coordonnées de Vn. Alors, on a le résultat suivant. La famille V1 jusqu'à Vn est une famille libre. Si seulement si le déterminant de cette famille par rapport à la base B est différent de 0. Et puisque là, on a n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n, dire que cette famille est libre, c'est équivalent à dire que cette famille est une base de E. Puisqu'on a ici n vecteurs et la dimension de E égale n. C'est-à-dire que T est une base de E si et seulement si le déterminant de la famille T est différent de 0. Et là, donc, on a un moyen très utile pour vérifier si une famille T qui contient n vecteurs est une base de E ou non. Il suffit de calculer son déterminant et de voir s'il est différent de 0. Donc, c'est un moyen puissant. Donc avant, pour vérifier que T est une base, on vérifie que est-ce que T est libre, et ensuite est-ce qu'il est génératrice. Ensuite, on a vu que lorsqu'on connaît la dimension, si la dimension est N, si on a une famille qui contient N vecteurs, ce n'est pas la peine de vérifier les deux. On vérifie une seule, ça suffit. Soit que la famille est libre, soit que la famille est génératrice. Ensuite, on a vu comment on détermine le rang et ainsi de suite. Et là, on arrive au déterminant, donc on obtient un résultat très intéressant. C'est que T est une base de E si seulement si le déterminant est différent de 0. Il suffit de calculer le déterminant. Ensuite, on va utiliser les déterminants pour déterminer le rang d'une matrice. Donc, soit A, une matrice appartenant MNP de K, c'est-à-dire qu'il y a N lignes et P colonnes. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit une matrice carrée. Mais on ne va pas parler du déterminant de A, puisque ça, ce n'est pas une matrice carrée. Le déterminant, c'est défini pour les matrices carrées. Donc, on a ici pour chaque, si on prend K entre 1, 1 et N, et L entre 1 et P. Donc, K entre 1 et N, N c'est le nombre des lignes, et P c'est le nombre des colonnes. On va appeler une matrice extraite de A, on appelle une matrice extraite de A, d'ordre K, L, toute matrice obtenue de A, en gardant seulement K lignes et L colonnes, et on enlève les autres. En particulier, les déterminants des matrices carrées extraits de A d'ordre K, 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 c'est-à-dire lorsque c'est carré, ou seulement d'ordre K, sont appelés les déterminants extraits de A d'ordre K, avec évidemment K inférieur ou égal au minimum de N et de P. Tout simplement là, lorsqu'on a K entre 1 et N, c'est-à-dire K plus petit que N. Donc là, on a N lignes. Si on prend un nombre de lignes entre 1 et N, par exemple, si on prend ces deux lignes, celle-là et celle-là, donc là, K c'est égal à 2. Ou bien celle-là et la troisième. Si on prend K égal à 2, donc on prend ici deux lignes. Donc on prend deux lignes, ici. Et là, on choisit L entre 1 et P. Par exemple, L égale à 2, par exemple. Donc par exemple, on prend cette colonne et on prend une autre colonne. Les coefficients qui sont ici dans l'intersection vont former une matrice.
une matrice carrée qui va avoir donc deux lignes et deux colonnes. Si je prends k égale 2, l égale 2. Cette matrice-là, on va dire que c'est une matrice extraite de la matrice A. C'est une matrice extraite de la matrice A. A elle-même est une matrice extraite de A, avec n lignes et p colonnes. Donc la seule matrice qu'on peut extraire de A, qui a n lignes et p colonnes, c'est A elle-même. Si on prend par exemple k égale n et n égale p moins 1, donc on garde le nombre des lignes n, donc là il faut choisir toutes les lignes, et là pour n égale à p moins 1, il faut uniquement choisir p moins 1 colonne, puisque là on a p, donc à chaque fois il faut enlever une colonne pour avoir une matrice extraite d'ordre k, d'ordre n, p moins 1. Donc un exemple simple, donc soit A, cette matrice-là, donc ça c'est une matrice qui est d'ordre 4, 3, du type 4, 3, la 4 lignes et 3 colonnes. Donc les matrices extraites de A, on a les exemples suivants, par exemple la matrice B. Donc là, si on prend cette ligne, celle-là, et celle-là. Donc on choisit ces trois lignes, et on choisit trois colonnes. Cette colonne, celle-là, et celle-là. Donc là, on a une matrice extraite, c'est B, qui est d'ordre 3, 3. Donc c'est une matrice carrée. Si on prend C, cette matrice-là, c'est-à-dire donc 2, 0, donc le 2, 0, 0, 1. C'est-à-dire on a la matrice C, c'est cette matrice-là. C'est une matrice extraite de A. Ou bien on peut dire que C, c'est la matrice extraite qui a cette colonne et cette colonne. Donc, elles sont égales, toutes les deux. Donc ça, c'est une matrice carrée d'ordre 2, extraite de A. Si on prend E égale, la matrice qui contient uniquement le coefficient 5. C'est une matrice qui a une ligne et une colonne. Le 5, il est là. Donc E, c'est une matrice extraite d'ordre 1, 1. Si on prend D, cette matrice-là, 2, 0, 5, c'est-à-dire, là, on a 2, 0, donc, on prend ici 2, 0, 5, cette colonne, et cette colonne-là, on prend ces deux colonnes, et ces trois lignes. Donc on obtient cette matrice-là. Ça, c'est une matrice carrée qui est extraite donc de A, qui est de type 3, 3, 2. Il est du type 3, 2. Donc on peut s'amuser à calculer le nombre des matrices extraites qu'on peut extraire de A, et on peut les trouver toutes. On peut s'amuser à faire ça si on a le temps. Et pour les déterminants extraits de A d'ordre K, donc là, A, il est du type, on a dit 4, 3, le minimum de 3 est 4, c'est 3. Donc les déterminants qu'on peut extraire de A vont être des déterminants soit d'ordre 3, soit d'ordre 2, soit d'ordre 1. Donc par exemple, cette matrice-là, c'est une matrice extraite de A, d'ordre 3, une matrice carrée. Son déterminant, c'est un déterminant extrait de A. Cette matrice-là, son déterminant, c'est un déterminant extrait de A. Ici, 5, c'est un déterminant extrait de A. Pour cette matrice-là, on n'a pas le droit de parler de son déterminant. Donc, on parle des déterminants extraits, donc le déterminant de matrice carrée. Donc, pour les déterminants extraits d'ordre 2, donc on a tous ces déterminants-là sont extraits de A. Ils sont d'ordre 2. Ce déterminant-là, il est d'ordre 3. Donc, si on revient en arrière, les coefficients 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1. Non, 1, 2, 5. Donc on a pris 1, 2, 5, 1, 2, 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire on a pris
la première, la deuxième et la quatrième ligne, et les trois colonnes. Donc ça, c'est un déterminant extrait d'ordre 3. Donc une définition, donc soit A une matrice d'ordre NP, à la question d'encan, donc ce n'est pas obligatoirement que ce soit une matrice carrée, et soit delta K un déterminant extrait d'ordre K de A. Donc si on prend ici un déterminant extrait d'ordre K de A, avec K, c'est inférieur ou égal au minimum de N et de P. On appelle bordant de delta K tout déterminant extrait de A qui est d'ordre K plus 1 dans delta K et l'un de ces déterminants extraits. Donc tout simplement, on a une matrice. Donc si on prend par exemple ce déterminant d'ordre 2, ça c'est un déterminant extrait d'ordre 2, de A. Maintenant, si on prend un autre déterminant d'ordre K plus 1, donc ici K c'est 2, donc d'ordre 3. Si on prend un déterminant d'ordre 3, tel que ce déterminant-là soit à l'intérieur de ce, du déterminant delta 3. Donc c'est-à-dire un autre déterminant qui est plus grand que celui-là, ça il est d'ordre 2, on veut un autre déterminant qui soit d'ordre 3. Donc on prend ici un coefficient, ici un autre, ici un coefficient en face de celui-là, celui-là en face de celui-là, un autre coefficient en face de l'intersection de ces deux, cette ligne avec cette colonne. Donc ce déterminant d'ordre 3, on dit que c'est un bordant de celui-là. Donc c'est comme si on ajoute des bords ici, des bords à ce déterminant-là, pour avoir un déterminant plus grand. De toute façon, donc on va voir quelques exemples. Si on prend, revient à la matrice A. Donc cette matrice-là, elle est du type 4, 3. Si on prend le déterminant delta 2, delta 2, donc c'est-à-dire 2, 0 et 0, 1. On a pris ce déterminant-là. C'est un déterminant extrait. Ce déterminant-là, donc ça, c'est un déterminant extrait de A. Delta 3, si on prend delta 3, ce déterminant-là. 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1. Donc delta 3, c'est ce déterminant-là. On voit que delta 2, il est là. Le déterminant delta 2, il est là. Le déterminant delta 3, il est là. Donc le déterminant delta 3, on dit que c'est un bordant du déterminant delta 2. La même chose ici, si on prend le déterminant delta 3 prime, qui est ici, donc c'est 2, 0, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0. Peut changer de couleur. Donc ce déterminant-là, ça c'est le déterminant delta 3 prime. C'est celui-là. Le déterminant delta 2, il est là, à l'intérieur de delta 3 prime. Delta 2, il est d'ordre 2. Delta 3 prime, il est d'ordre 3, c'est-à-dire d'ordre 2 plus 1. Donc ce déterminant delta 3 prime est aussi un bordant de ce déterminant-là. Donc ce déterminant-là, on lui a ajouté des bords. Donc ce bord qui vient ici à côté, et donc delta 3 et delta 3 prime sont débordants du déterminant delta 2. Donc une remarque, en fait, donc pour avoir un bordant de delta k, donc si on a un déterminant delta k et on veut avoir les bordants de delta k, on complète delta k, on lui ajoute des coefficients d'une ligne externe à delta k. Donc on prend, en un déterminant, donc delta k, le déterminant delta k, qui contient des coefficients, donc on va lui ajouter des coefficients d'une ligne externe. Donc si on a ici
par exemple L2 et L3, on va prendre une ligne externe à L2 et L3, par exemple L1. Donc on prend les coefficients de L1 qui sont ici, qui sont au niveau de ces coefficients-là. Et on prend une colonne externe, donc si on a ici des colonnes, on prend une colonne externe à ces deux colonnes, qui n'apparaît pas parmi ces colonnes-là. Donc une colonne, par exemple ici, les coefficients ici, pour avoir un bordon du déterminant delta k. Tout ça en respectant les indices des lignes et des colonnes qu'on a. Donc on va faire des exemples après pour bien comprendre. Donc on arrive à un théorème très intéressant qui nous dit la chose suivante. Donc soit A une matrice d'ordre NP. La question donc A. Alors, le rang de A égale à R, si seulement si, il existe delta R, un déterminant d'ordre R, extrait de A, qui est non nul. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, tous les bordons de delta R sont nuls. Donc, si on a le rang de A égale R, on a ce résultat-là. Et si on a ce résultat-là, donc, si on a une matrice A, donc si on arrive à trouver un déterminant extrait d'ordre R qui est non nul, et tous les bordons de ce déterminant delta R sont nuls, alors le rang de A égale à R. Une petite remarque, donc c'est R, le R qui est là, s'il est égal au minimum de N et de P. Le minimum de N et de P. Donc, la deuxième condition, donc elle est vérifiée, c'est-à-dire le déterminant delta R, il ne va pas avoir de bordon, puisqu'il va avoir le maximum du nombre des lignes et du nombre de colonnes qu'un bordon peut avoir. Donc si R est déjà égal au minimum de N et de P, delta R n'a pas de bordon. Donc la condition 2, elle est vérifiée. Il suffit de vérifier la condition 1. Donc, quelques exemples. Donc, si on prend la matrice A qu'on a déjà étudiée, donc c'est une matrice d'ordre 4, 3, N égale 4, P égale à 3. Donc, cette matrice, donc là, on continue. Donc, on a dit que on a donc le résultat. Le théorème suivant, le rang d'une matrice A égale à R, si seulement si, il existe un déterminant extrait d'ordre R non nul, et tous les bordons de ce déterminant sont nuls. Donc lorsque R, c'est égal le minimum de N et de P, dans ce cas, delta R n'a pas de bordon. Donc le rang de R égale le minimum de N et de P, si seulement si il existe un déterminant d'ordre min de n et de p qui est non nul. Donc la condition 1, ça suffit. Donc on prend l'exemple A de la matrice suivante qui est une matrice d'ordre 4, 3. Donc le minimum de 4 et 3 c'est 3, le min de n et de p. Donc là on va étudier les déterminants extraits d'ordre 3. Donc, ils sont là. Donc, pour former un déterminant extrait d'ordre 3, donc, il faut prendre donc 3 lignes et 3 colonnes. Là, on a déjà 3 colonnes. Le maximum, c'est 3 colonnes. Donc, on ne peut pas faire mieux. Donc, il nous reste à choisir les lignes. Donc, pour choisir les lignes, on a ici 4 lignes pour prendre 3. Il faut donc à chaque fois enlever une ligne. Si on enlève la dernière, donc il reste ce déterminant. Si on enlève ici 1, 1, 0, 0, ici, donc pour la première, donc on enlève la quatrième ligne. Pour celui-là, on enlève la ligne 2, c'est-à-dire celle-là. Donc pour delta 3, on enlève cette ligne, il reste celui-là. Pour delta 3 prime,
on enlève donc la ligne, cette ligne, elle reste la première, la deuxième et la quatrième. La première, la troisième et la quatrième. Pour delta 3 secondes, donc on enlève celle-là, celle-là, et on garde la première, la deuxième et la troisième. Pour delta 3 tierces, donc on enlève la première ligne, et elle reste 2, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Et on calcule ces déterminants. Donc pour ce déterminant-là, tout de suite, on a la colonne 1 égale la colonne 2. Donc si on fait 2 moins 1, on va avoir des zéros. Donc ce déterminant, ça va donner un 0. Pour le déterminant delta 3 prime, on a une ligne qui contient des zéros. Lorsqu'on développe par rapport à cette ligne, on va avoir un 0. Donc tout de suite, c'est 0. Pour delta 3 prime, on a une ligne qui contient des zéros. Donc tout de suite, on développe, on va avoir 0. Delta 3 seconde, delta 3 tierce, on a aussi une ligne qui contient des coefficients nuls. On développe par rapport à cette ligne, on va avoir un 0. Donc tous les déterminants d'ordre 3 extraits de A sont nuls. Donc le rond de A ne peut pas être égal à 3. On descend à 2. On descend à l'ordre 2. Donc pour l'ordre 2, il faut construire les déterminants extraits d'ordre 2. Si on prend celui-là, par exemple celui-là, c'est un déterminant extrait d'ordre 2. Mais là, on va avoir 1 fois 2, moins 2 fois 1 qui va donner 0. Donc on passe. Si on prend celui-là, ce déterminant-là, on va avoir 1 fois 0, moins 2 fois 0, c'est égal à 0. Donc on passe. Et ainsi de suite. Mais si on prend celui-là, ce déterminant-là, donc il faut les étudier tous. Si on regarde ce déterminant-là, c'est un déterminant extrait d'ordre 2 de A. Donc ça fait 2 fois 1, moins 0, fois 0. Donc ça fait 2. C'est différent de 0. Ce qui veut dire que le rond de A va être égal à 2. Puisque on a un déterminant extrait d'ordre 2 qui est non nul. Et tous les bordants de ce déterminant-là, ce sont les déterminants d'ordre 3, qui sont déjà égaux, elles sont déjà égaux à 0. Donc d'après le théorème, le rond de la matrice A, il va être égal à 2. Puisqu'on a un déterminant d'ordre 2 qui est non nul, et tous les déterminants d'ordre 3, ils sont nuls. Donc de cette façon-là, donc, on peut déterminer donc, le rond d'une matrice. Une petite remarque, donc soit V1, V2, jusqu'à VP, une famille de E. Une famille quelconque, le P n'est pas forcément égal à la dimension. Hein. Donc si la dimension de E est égale à N, et B, une base de E qui contient N vecteurs, donc on va écrire chaque VJ, on l'écrit dans la base B. Donc chaque VJ va avoir N coordonnées. N coordonnées, il va s'écrire comme ça. Il va avoir des coordonnées qui sont des AKJ avec K qui va varier de 1 jusqu'à N. Ça pour chaque J. Ça, chaque VJ. Donc si on veut calculer le rond de la famille V1 jusqu'à VP, il suffit de prendre la matrice des coordonnées des VJ. Là, ce sont les coordonnées de V1, les coordonnées de V2, jusqu'aux coordonnées de VP. Donc là, on a P vecteur et on a une base qui contient N vecteur. Là, on va avoir N lignes et on va avoir P colonne. Donc, cette matrice-là, elle va être du type NP. Elle va être du type NP. Donc, pour étudier le rang de cette famille-là, il suffit d'étudier le rang de cette matrice-là par le théorème qu'on vient d'étudier. Et l'on calcule donc le rang de cette matrice en utilisant le théorème précédent. Donc, on a terminé donc le cours sur les déterminants. Donc, je vous invite à consulter mes vidéos sur YouTube pour voir la correction des exercices de TD. Donc, bonne chance pour la suite.